Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment débugger les erreurs qu'on peut rencontrer avec des boucles while, même un peu plus d'ailleurs. Alors on va commencer par regarder ce programme donc, qui pour le coup est sans bug, donc on le fait fonctionner, hein. C'est un programme très très simple, hein. Donc là qui affiche donc les hello, alors voilà, qui m'affiche donc 1, 2, 3, 4 hello. Alors, première erreur, admettons que mon programme, j'ai envie qu'il affiche 5 fois Hello. Bah là, mon programme il fonctionne bien, il n'y a aucune erreur, et il ne m'affiche que 4 fois Hello. Donc ça, c'est une des erreurs les plus compliquées à résoudre, parce que c'est une erreur qui concerne le fonctionnement de mon programme. Il fonctionne, d'un point de vue de l'ordinateur, il n'y a aucun souci. Par contre, d'un point de vue de moi, ce que j'attends en tant que programmeur, développeur, concepteur de ce programme, bah, j'obtiens pas ce que je veux. Alors là, ça provient du test. C'est compteur strictement inférieur à 5. Et si je veux afficher 5 fois, bah, soit il faut que je rajoute. Voilà, je peux par exemple faire ça. Première manière de corriger, ce serait de dire on va le faire inférieur ou égal à 5. Alors on peut le faire fonctionner pour vérifier. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, mon programme fonctionne bien. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est. On va regarder différents programmes et à chaque fois il va y avoir une erreur dedans. On va regarder comment gérer ça. Alors la première erreur, c'est une erreur un peu spéciale, mais pour compter les hello, plutôt qu'utiliser un mot-clé compteur, je vais utiliser un autre nom de variable. Donc ce nom de variable, il va falloir qu'il remplace. Donc à tous les endroits, on va le remplacer, hein. On va remplacer la variable compteur, qu'on appelait compteur, par une variable qu'on appelle for, for. Pourquoi pas, hein. Donc bah, je mets mon for ici, je le mets là, là je l'affiche, là je rajoute un dedans, etc. Donc quand on fait fonctionner ce programme-là, donc ça plante. Alors il nous dit qu'il y a une erreur de syntaxe, que c'est invalide. Alors ce qui est intéressant quand on regarde les messages d'erreur, c'est déjà de regarder la ligne sur laquelle l'erreur a lieu. Donc là c'est line 1, donc on est dans la première ligne. Et le petit chapeau ici, là, le petit accent circonflexe, dit voilà, à cet endroit-là, il nous signale une erreur de syntaxe. Alors ça signifie pas qu'il y a un problème avec le égal, ça signifie que Python, arrivé à ce stade-là, il s'aperçoit qu'il y a un problème. Quoi qu'il y ait derrière, déjà c'est incorrect. Alors là, nous, le problème qu'on a rencontré, c'est que le nom de variable qu'on a choisi, il se trouve que c'est un mot-clé du langage Python. Donc c'est un mot réservé. C'est bien, ça respecte bien la syntaxe d'un identificateur de variable, hein, que des lettres. Première lettre suivie de lettres ou de chiffres. Mais il se trouve que c'est un mot-clé, un mot réservé. Donc si j'avais par exemple, j'appelle par exemple pour les hello, admettons, si je veux compter les hello, j'appelle ça NBH pour NBLO. Et si je mets ma variable partout, c'est plus un mot-clé. Et donc maintenant, si j'essaye de faire fonctionner mon programme, il fonctionne bien. Donc une erreur importante, hein, enfin importante, une erreur embêtante, c'est d'utiliser un mot-clé, donc voilà, comme if, else, etc., etc. Alors un autre type d'erreur qu'on peut rencontrer, donc on a ce programme-là, on lance notre programme, boum. Donc là, il nous dit qu'il y a counter is not defined. Donc ça veut dire que Python ne connaît pas ce nom counter, il n'est pas défini, c'est-à-dire que c'est pas une variable, c'est pas voilà, il ne sait pas ce que c'est. Alors ça intervient en ligne 2. Et donc voilà, il nous dit que compteur n'est pas défini. Donc là, c'est ce qu'on appelle une erreur d'initialisation. On a oublié de donner la première valeur à compteur. Donc compteur n'a pas de valeur. Et quand on veut faire la comparaison entre une variable qui ne contient pas de valeur et 5, bah, ça pose un problème à Python et il s'arrête. D'où cette erreur, name error. Donc dans ce cas-là, il faut se poser la question, est-ce que j'ai initialisé ma variable? D'accord? Pour résoudre ça, bah, on va initialiser tout simplement la variable et quand on fait fonctionner, tout va bien. Alors, on va passer à la suite. Alors, là, j'ai mon programme qui a été tapé. J'essaye de le faire fonctionner. Et là, je retombe sur le même type, name error. Là, name counter is not defined.
Alors là, bah voilà, faute de frappe, au lieu de taper un M, j'ai tapé un N. Donc là, il se trouve que donc c'est fait à cet endroit-là. Et donc, quand on essaye de faire cette instruction-là, qui est une affectation, Python, il doit calculer cette partie-là de l'expression, donc connaître la valeur de compteur avec un N et pas avec un M. Et donc, il n'y a pas de valeur, puisque la variable n'a pas été initialisée. Elle a pas, voilà. Et donc, on nous dit que ce n'est pas défini. Donc là, il suffit de régler le problème de frappe et de relancer, et tout fonctionne bien. Alors, un autre souci. Alors là, j'ai mon programme. A priori, c'est OK. On va le faire fonctionner pour voir ce que ça donne. Et là, boum. Alors là, c'est un peu compliqué. Alors là, il dit, ah, voilà, il y a des textes un peu plus. Donc là, alors, il nous signale sur le 1 qu'il y a une erreur. Donc, à quelle ligne? En ligne 5. Donc, il nous dit, voilà, il y a une erreur ici. Donc, c'est un peu compliqué d'aller plus loin. Alors, évidemment, il faut lire. Et là, on voit indentation error. Donc là, il nous dit qu'il y a une erreur donc d'indentation. Donc, une erreur de décalage ici ou ici. Et il se trouve que en regardant un petit peu, on s'aperçoit que d'un côté, on a mis 5 caractères espace et de l'autre, il n'y en a que 4. Donc c'est de là que vient le problème. Alors pour corriger ça, soit on rajoute un espace ici, hein, ou sinon, on aurait pu aussi dire, on supprime celui-là. En tout cas, les instructions qui sont à l'intérieur du while, dans le contenu du while, il faut que ces instructions soient indentées de la même manière. Donc on vérifie que la correction est bonne. Cool, ça fonctionne. Le suivant. On y va, on fait un run. Et là, il nous dit qu'il y a une erreur de syntaxe arrivée à ce niveau-là. Donc ici, il y a une erreur de syntaxe. Donc qu'est-ce qui va pas? Bah pourtant là, ma parenthèse, elle est ouverte, elle est fermante ici, il y a l'ouvrante, là, la fermante. Voilà. Alors après, il se trouve qu'il manque le deux points. Quand on fait un while, il ne faut pas oublier de mettre le deux points. C'est ce qui permet de dire que ce qui suit, ça va être les instructions qui sont contenues dans le while. Donc quand on rajoute le deux points, tout va bien. Donc là, on est dans de l'erreur de syntaxe, hein. J'ai oublié les deux points et le programme ne fonctionne pas. Alors une autre erreur, bon, elle est un peu. Voilà, c'est j'essaye d'orthographier un mot-clé et je me trompe. Alors bon, là, c'est un peu flagrant, hein. Donc il y a mon while, voilà, il pose un problème. Alors l'histoire, c'est que vous voyez que l'erreur de syntaxe, il la signale pas ici, il la signale ici. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a un problème de syntaxe. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à trouver, hein, parce qu'il n'y a pas de souci ici. J'ai bien le deux points, mais l'histoire, c'est que les deux points, c'est lié à une instruction du langage Python, donc qui commence par un mot-clé. Donc on va avoir ici soit un if, soit un while, soit autre chose comme ça. Et donc ici il se trouve que le while ça s'écrit comme ça, avec la coloration de syntaxique de Tony Python, bah voilà, ça vient en violet, hein, donc contrairement à là où c'est affiché en noir. Donc c'était ça le souci, mauvaise orthographe de notre mot-clé. Et là, ça fonctionne. Cool. Ensuite, dans le même ordre d'idée, bah là ça ne fonctionne pas. Donc pareil, on nous signale l'erreur de syntaxe au même endroit. Ça signifie que ce n'est pas un mot-clé. Et là, on a écrit while avec une majuscule, alors que le mot-clé est tout en minuscule. Hein. Comme Python, il est sensible à la case de caractères, minuscule, aux différences minuscule-majuscule. Bah, un W majuscule, ce n'est pas la même chose qu'un W minuscule. On fait fonctionner, tout va bien. Ensuite, encore un autre bug. Alors un bug, donc une faute de frappe. Voilà, la compteur, je me suis trompé, là j'ai mis un N au lieu d'un M. Alors là, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ça s'arrête plus. C'est-à-dire que c'est une faute qui est un peu différente parce que le programme fonctionne bien, la syntaxe est bonne. Et il s'arrête pas le programme là, il est en train de continuer. Alors pour l'arrêter avec Tony Python, on a le petit panneau stop là, donc on peut faire un stop et il s'arrête. Alors là, si on remonte, hein, on voit que notre programme, bah, il s'arrête pas, donc il continue, continue, continue.
Donc ça, bah on dit que le programme il est en erreur aussi, hein, c'est une des conditions, un programme doit se finir. Donc ce programme ne se finit pas, donc y a un souci. Alors, pour attraper cette erreur, là on n'a pas d'autre choix que de lancer le débuggeur. Et donc, voilà. Et donc on va regarder, voilà. Le compteur il vaut 1 et après donc on va aller voir ce qui se passe dans la boucle. Donc on affiche hello, voilà, avec la valeur du compteur. Après on va effectuer cette instruction là, et donc là quand on effectue cette instruction là, on s'aperçoit qu'il y a une deuxième valeur, une deuxième variable, excusez-moi, qui arrive avec la valeur 2. Et là on se dit, quand on est en train d'examiner notre programme dans la vie réelle, hein, quand on ne sait pas d'où vient le souci, eh ben, le fait qu'il y ait une deuxième variable qui apparaisse, on se dit, eh ben non, il y a un problème, et ça finit par nous mettre sur la piste, et on comprend qu'il y a une faute de frappe. Et donc, voilà, notre variable, elle est toujours là, c'est une boucle infinie, ça ne s'arrête plus du tout. Je fais un CTRL-C pour arrêter le... Il veut pas, bah, je suis avec le débuggeur. Voilà. Donc là, si on lance le programme, qu'on veut l'interrompre, donc soit on fait le stop, ou sinon voilà, on fait le CTRL-C pour interrompre le programme. Donc ça marche. Voilà. Donc là, on nous parle d'une interruption liée au clavier, c'est parce que je viens de taper CTRL-C. Donc pour corriger ça, bah là, il n'y a pas d'autre moyen que de s'apercevoir qu'on a fait une faute de frappe, et donc compteur vaut. Compteur, voilà, on l'écrit correctement et donc on obtient le bon résultat. Alors dans le même genre d'idée, ça c'est le bug qui arrive très très souvent quand on travaille sur les boucles for, boucle while, excusez-moi. Bah voilà, j'ai mon compteur, je veux afficher 5 fois hello et puis bah j'oublie de changer la valeur de compteur. Donc compteur vaut 1 et ça n'arrête pas. Alors on va regarder ça avec le débuggeur pour bien comprendre. Donc je lance le débuggeur. Voilà, ça va arriver. Je fais donc step over. Donc compteur vaut 1. Et là, pour aller voir l'intérieur, donc je vais faire un step into. Donc je reprends step over. Donc est-ce que le compteur est inférieur à 5? Oui. Donc je fais hello. Je refais le test. Mais comme le compteur n'a pas changé, est-ce que le compteur est inférieur à 5? C'est toujours vrai. J'affiche hello. Une deuxième fois, est-ce que compteur inférieur à 5, bah, ça n'a pas changé, et donc là, ça continue comme ça, donc c'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Donc bah là, il faut que je m'aperçoive que bah voilà, il va falloir que je change compteur, parce que si on ne change pas à l'intérieur de la boucle, si on ne change rien en ce qui concerne par rapport à la condition, bah, la condition, si elle est vraie au début, elle va rester vraie tout le temps, et donc on tombera sur ce qu'on appelle une boucle infinie. Alors, donc les erreurs, donc on a vu qu'on a vraiment tout un paquet d'erreurs qui peut nous arriver quand on utilise une boucle while. Bon, il y a des problèmes syntaxiques, hein, les deux points, écriture incorrecte de mots-clés, l'indentation aussi, il faut faire attention. À l'exécution, on peut avoir des plantages. Là, on n'en a pas eu, là, on a eu plutôt des boucles infinies. Alors, des plantages, c'est pas typique boucle while, mais ça peut être par exemple une division par zéro. Bah, boum, le programme s'arrête, ça va pas. Et après, il y a des erreurs beaucoup plus compliquées qui sont les erreurs les logiques de fonctionnement. Par exemple, quand ça fait pas ce qu'on veut. Si je veux afficher, si ça affiche 4 fois hello au lieu de 5, bah, le programme il fonctionne, mais il donne pas ce que je veux. Alors, sur des problèmes à résoudre relativement simples comme ça, on trouve, mais quand au niveau des algorithmes c'est un peu plus compliqué, bah, des fois on peut chercher assez longtemps. Ça peut être un problème très profond, dur à trouver. Alors la boucle infinie, c'est le classique, donc je reviens dessus, parce que quand on fait un programme avec un temps queue, bah, on peut tomber souvent sur le problème de la boucle infinie. Bah, on a oublié d'incrémenter, donc d'ajouter 1 ou de changer une variable qui intervient dans la condition. Quand on tombe sur ce problème-là, donc il faut vraiment se souvenir de ça c'est la chose dont il faut se souvenir. J'ai un problème avec un programme, il fonctionne pas comme je veux. Pour essayer de comprendre, on utilise les débuggeurs, on regarde le contenu des variables et on regarde l'exécution des instructions pas à pas. Si ça va pas dans le coin où on veut, c'est que il y a eu un problème et donc
il va falloir le régler. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.